Je m'appelle Seydou Diédou, de son nom d'artiste Kassou Seydou. Je suis artiste plasticien. J'ai eu la chance de vivre avec un vieux que j'appelle papa parce que c'est le père d'un de mes amis. Il est un artiste peintre, il est connu. Et des fois, on aidait mon camarade là à lui tendre les toiles. Donc c'est dans cette ambiance-là que j'étais quand j'étais jeune, sans pour autant penser que j'allais être un artiste. Bon, après le bac, j'étais dans un mutisme carrément compliqué. C'est au moment où j'ai commencé à faire de la peinture. Et au fur et à mesure que je m'y mets, je commence à avoir envie de peindre. Je suis allé rendre visite au père que je disais. Je lui montrais un de mes dessins. Il m'a dit judicieusement, si tu as le temps, parce que ici, les gens pensent qu'être artiste, c'est perdre ton temps. Il m'a dit, si tu as le temps, fais les beaux-arts. Après, j'ai travaillé 2 ans dans les bateaux, les gens qui font les peintures des bateaux. Après les 2 ans, j'ai su que ça, c'était pas ma voie. Alors, j'ai fait le concours des beaux-arts que j'ai admis et j'ai commencé à faire des études. Bon, je savais déjà peindre. Mais il fallait oublier ce que j'avais fait pour pouvoir apprendre d'abord.